Nous, ce qui nous intéresse honnêtement dans ce dossier, c'est d'établir qu'il n'y a eu aucun lien entre le capitaine Dadis et ceux qui ont géré ces événements-là. Et il n'a donné aucun ordre à qui que ce soit d'être au stade ou de gérer les corps ou de les dissimuler. Et il a dit, le général a déclaré à la barre que le jour du 28 septembre, il n'a eu aucune conversation téléphonique avec le président Dadis. Et que la seule fois qu'il était parti le voir, c'était à 16h, avec David Haba, le général, qui était alors chef de cabinet du ministère de la Défense, pour lui faire le compte-rendu. Mais l'état dans lequel ils l'ont trouvé, il n'a pas pu, effectivement, ils n'ont pas pu faire le compte-rendu. Donc, il est évident que, selon le général, il n'a été témoin d'aucun acte ou d'aucun comportement du président Dadis le jour du 28 septembre et les jours qui ont suivi, de nature à pouvoir retenir la responsabilité de ce dernier dans le cadre de ce procès. Rappelez-vous que le général intervient en tant que témoin, et un témoin qui a été cité par le ministère public, ça veut dire que c'est un témoin à charge. Donc nous nous sortons très réconfortés dans cet interrogatoire-là, dans l'audition de ce témoin-là, et on verra la suite du procès que ça va nous réserver. Oui, vous en réussissez, mais vos adversaires de l'autre côté disent qu'il en sait beaucoup trop. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous réconforte? J'ai toujours dit que le procès pénal n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Nous ne pouvons pas avoir la même appréciation des déclarations des accusés, des parties civiles et des témoins, parce que nous avons des intérêts diamétralement opposés. Justement, dans ce contentieux-là, voyez-vous comment on est assis, on fait face l'un à l'autre, ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes intérêts, on ne peut pas avoir les mêmes raisonnements ou la même appréciation, effectivement, des déclarations des témoins. Donc ça, c'est tout à fait naturel, c'est le cours normal du procès. Il y a un arbitre parmi nous, c'est le tribunal, qui décidera, en fin de compte, qui est responsable de quoi, et on verra ce que le tribunal va décider. Mais on ne peut pas avoir la même appréciation des faits, ce n'est pas possible.